chapeau, l'homme ou la joie pour nous tout à super branché Chanel du savoir et bienvenue dans la dernière sortie. Ça fait la caille pour moi octobre. La seule émission dans le pays d'Haïti qui mettait projectel sous artiste artisan à cap produit la caille. Jeudi, à toujours dans même l'amour, dans la même fougue là, nous portons pour un numéro spécial à côté nous prenons une chance plongée dans le monde écrit à dit qui jouait un rôle important dans guider penser l'esprit à conduit émotionnel et dans mon ça nous prenons une chance découvrir Wood Jean-Jude qui c'est un très jeune étudiant en communication sociale qui c'est tout rédacteur en chef Paper Education Agency et lui même tout lycéen activiste littéraire qui a goumé en pile pour aider Kembe vivant littératie en Haïti. Nous capable dire Wood Jean-Jude c'est un bel nègre pour chocolat, yon slameur, yon charmeur qui utilise poésie pour lui dédicacer belle petite parole pour caresser les oreilles, pour caresser l'esprit nous. Et c'est un poète que nous-mêmes nous apprécions en pile et que nous-mêmes nous connaissons sous nom poète silencieux que nous prenons la chance de découvrir tout juste après petit campé habituel. Merci parce que vous êtes toujours sous Chanel du Savoir dans l'émission culturelle pour la sac fête à la caille et d'après plateau sous plateau. Nous avons avec nous très jeune et talentueux poète ça que nous connaissons sous nos poètes silencieux. Côté bon nom, là, c'est Wood Jean-Jude. Bonsoir et bienvenue sous plateau sac fête à la caille Wood. Bonsoir, Nélita, et en salutation spéciale à toutes super branchées et Chanel du Savoir. Bonsoir à toutes fans qui gagnent pour regarder l'émission. C'est un plaisir d'être capable là sous plateau. Ça fait la caille. C'est un plaisir tout pour nous partager le plateau ça avec vous et pour gagner chance pour être sous plateau. Ça fait la caille. Bye public. Ça fait la caille. Belle couleur que vous m'avez toujours à partager avec nous sur les réseaux sociaux. Ou Jean-Jude, tant que nous sommes dit, c'est un charmeur qui toujours utilise des dédicaces pour les charmer toutes oreilles, toute qualité moun, grand moun koti moun, parce que tout le monde qui tando remè sa va faire. Mais avant tout, nous avons envie qu'on ait plus de Wood Jean-Jude et nous trouver les nécessaires pour c'est nous-mêmes qui permettent nous découvrir. Bon, l'autre fois encore, c'est un plaisir de partager le plateau avec vous, pour être capable de discuter autour de personnages, de poètes silencieux, ou bien de Jean Wood Jude, ou bien Wood Jude Jean. Et moi, ce jour d'Italia, moi, c'est un jeune étudiant dans la communication sociale, faculté sciences humaines. Et moi, c'est poète, c'est écrivain en herbe. D'ailleurs, moi, j'ai un roman qui était finaliste dans le prix Amarante, qui c'est un concours littéraire que C3 Édition, c'est une édition en Haïti, organisée chaque année. Et moi, c'est scénariste et autodidacte parce que je pratique l'auto-formation et lis des bouquins, regarde des tutoriels sur question comment écrire scénario. Et même, il y a un film que j'ai écrit qui titré Éloi, qui arrive à remporter le prix créatif du Bureau Film Festival, qui c'est un festival de court-métrage que Face of Haïti, un organisme qui travaille dans le fait qu'on est pays, a été organisé l'année dernière. Et c'est activiste littéraire tout, c'est-à-dire moi lutter en pile pour question poésie surtout, question littérature en Haïti, nous organiser des activités culturelles côté jeunes nous capables venir épanouir aux jeunes poètes, slameurs, écrivains. Et nous avons une première édition Vivre en poésie que nous avons organisé dans le mois de mai là, et nous avons une dédicace que nous avons organisé à l'occasion de l'anniversaire moi, et que deuxième édition là, nous avons fait en décembre prochain.
Donc, nous capable dire en gros, c'est nous ça. C'est nous ça, mais n'a pas essayé pas mélanger ou Jean Jude avec poète. Poète silencieux. Parce que nous capable dire d'après Jean ou décrire et tout ça nous connaît tout. Mm-hmm. Jean Jude c'est un monde qui vraiment maîtrisait monde écrit avec Dia et qui utilisait tout pour les charmer public là. Mm-hmm. Mais à part ça, qui ça nous capable dire qui pas gain rapport avec monde Dia qui écrit de ou Jean Jude. Bon, et immédiatement ou t'as retiré ou jeu de gens dans monde lecti avec écriti ou pas besoin ni encore sincèrement parce que c'est monde ça, c'est monde ça qui bam vie, c'est monde ça qui bam et vrai but, vrai objectif mon envie, c'est-à-dire c'est lecti avec écriti qui fait monde moi, c'est-à-dire en dehors de ça franchement je ne suis rien. Ah ouf. Et nous capable dire c'est monde ça tout, c'est là dans jeune tout passe temps. Justement, c'est ça m'a dit ou c'est que ça fait même parler comme ça, parler en bien comme ça de questions d'écriture, de questions lecture, c'est parce que moi-même c'est un monde qui lit en pile. Donc moi c'est que vim me fait ça à lire. Donc moi mais lire, moi mais écrire tout. D'ailleurs, il y a plusieurs œuvres que me produit déjà, peut-être qui peut qu'on publier. Même pas c'est pendant m'a écrit, OK, m'a vinn joindre ça me voulait, m'a réalisé tête moi en tant que tel. Comment ça veut dire là, et c'est pendant m'a lit tout que m'a vinn gagner une série de connaissances, que m'a vinn une vision que me partager autour de monde là, que m'a vinn forger personnalité. Vous avez plusieurs chapeaux sous tête ou avant de commencer avec poète silencieux qui a des problèmes sur les réseaux sociaux. Nous envie parler plus de scénariste là. OK. Et de film ça que les mêmes. OK, justement et j'aime cela moi même c'est capable dire c'est un scénariste autodidacte parce que pas vraiment un diplôme qui certifié que je suis un scénariste, même participer sur plusieurs projets déjà. OK, mais que plusieurs projets qui publiés, ma famille avant tout, La peine ultime, ça c'est des courts-métrages que m'écrit qui publié déjà sur YouTube. Etc. Et moi, c'est un plus gros projet que je participe sur lui et qui sont exploits pour moi et tout, que je toujours prends le soin pour mentionner. Je m'a parlé de questions carrière moi en tant que scénariste, c'est Film et Loi. Mm-hmm. Film et Loi, c'est un film qui a parlé d'un jeune homme qui a déporté, qui tournait en Haïti et puis qui arrivait dans un point où il était capable de tout. Parce que côté, il était capable de joindre de quoi pour sortir de cette tête. Donc il pas jeune alors que c'est un pays ça t'a fui à yo botel tourner. Donc il était décidé pour mettre fin à la ville et c'est dans même moment gagné aux amis que te connait bien avec montrer les questions bah l'école etc. cap chercher pour le faire jeune travail parce que te connait c'est son nèg qui brille en pile. Donc c'est ça en résumé, c'est deux ça t'ai parlé, son film qui durait environ 35 minutes, son court-métrage en dinois et qui t'a remporté prix créatif Boyo Film Festival et qui t'a remporté deuxième choix que et me capable dire monde qui t'a voté au fait parce que c'est un concours qui t'est déroulé en deux phases côté jury à grande délibération et côté tout t'es gain vote à dire pour monde qui a apprécié tel film capable voter pour tel film commenter etc. Donc nous t'es arrivé joindre deuxième position hein, à travers film ça que me capable dire on gagner guest group film et sorti et nous gagner réalisateur là qui c'est Joseph Conventon. C'est nous deux accents qui t'a porté projet ça et nous vivons font exploit avec. Donc en tant que scénariste, c'est ça, on produit plusieurs scénarios déjà, feuilleton, court-métrage et je pense que c'est un exploit que me fait dans mon scénaristique là avec Eloi. OK, c'est très intéressant, nous féliciter ou quoi. Film ça. Nous t'aimer me connaît qui ça qui t'a inspiré à écrire un film comme ça et nous-mêmes qui a regardé qui leçon nous doit tirer. Bon et film ça comme de t'es produit à penser que c'est situation pays là qui t'a inspiré moi et entourage moi tout en fait parce que c'était dans moment ça toujours bon les vienne puis accru phénomène ça vienne puis accru qu'on y a c'est dans moment que t'es petit jeune a quitté pays là pour aller Chili et puis c'était moment la grande traversée tout pour sortir Chili pour traverser États-Unis. OK, au contraire c'est pendant la sortie de traverser États-Unis et puis vienne prendre et puis il déporter etc. Donc c'est ça qui t'inspire, c'est phénomène dans le moment qui t'inspire et me t'voulais tout montrer que gain espoir. Ça veut dire pendant on fuit, pendant on vit tout et tout, mais quelque part destin, le porte que le cas ouvert pour sans attendre.
Et je voulais montrer tout que tout bien on fait, c'est sûr que l'app bien pour le retourner venir chez nous. Même si tout mal ou fait, c'est lui qui a récolté puis devant. Donc c'est parce que lui-même, dans certains moments, il était très brillant élève. Il dit qu'on a payé l'autre jeune et avancé. Et puis il y a un bon ami qui voulait prendre une nouvelle, qui voulait faire le travail, qui voulait changer la ville. Alors que lui-même, il n'a pas trouvé aucun issue. Donc c'est ça, c'est ça. C'est situation pays en fait. Qui t'a inspiré. Et vous voulez nous comprendre tout que tant qu'il y a justement, de la vie, il y a de l'espoir. Tout le temps, tête pour qu'on coupe, il faut que nous espérions chapeau. Et c'est un thème que nous avons choisi dans le concours. Parce que nous avons plusieurs thèmes, nous avons choisi le thème ça et puis nous produisons le loi sur lui. Ok. 10 heures, poète, slammer. Est-ce que vous pouvez porter une petite différence pour nous? Ok, 10 heures, poète, slammer, bon, c'est qu'il y a un point commun. C'est que tout utiliser le langage parlé pour capable faire passer ça au gain comme message. Dijon là lui-même c'est capable de dire c'est un monde qui parle mais qui pas forcément écrit. Ça Dijon là dire pas forcément les mêmes qui écrit yo ou comment ça me les là et nous gagne le poète aussi pour être là li produit. Il y a un poète qui pas vraiment slam, il y a un poète qui pas vraiment dit juste écrit et puis on l'autre Dijon ou bien l'autre slameur slamé texte là pour lui. Comprendre? Par contre, le slammer, non seulement il écrit, mais il dit texto. Comprendre? Ça le fait écrit, le slammer. Peut-être différence qu'il y a gagné entre slam avec poésie, quand le monde qu'on fait, c'est peut-être la façon, la démarche là, comment on écrit. Comprendre? Parce qu'on regarde pour elle, les slammer a mis un pile accent sur le jeu de mots, il met un pile accent sur le son que vous attendez. Comprendre? Alors que pour être là, c'est surtout le mot qui est intéressant pour lui. Comprendre? C'est pas son jeu avec eux. Donc moi, c'est ça. Mais sinon, moi-même, tout, je mets tout dans le même panier. 10 heures, poète, slammer, parce que tout a utilisé les mots, ok, pour capable atteindre nous, pour capable changer la vie, nous influencer nous, ou bien capable faire nous plaisir. Donc, c'est tout. Et je dis, c'est tout un package. Ouais, justement. Et sur les réseaux sociaux, on est capable de dire c'est trois mondes qui réunis pour nous. Ouais, c'est ça. Parce que moi, il y a justement, moi, dit texte, moi, écrit, moi, slam, et m'écrit poésie, m'écrit slam. Vous comprenez? Et moi, plus qu'on aime tout le poète silencieux, poète, parce que je plus publié poème que je publié slam, vraiment. Et mais moi, vraiment appris ce travail-là et c'est intéressant. Ok. Donc, est-ce que poète silencieux, bon, nous ne pouvons pas rentrer dans poète silencieux, hein? Est-ce que Wood lui-même, depuis tout petit, il est levé avec ça dans le sang, ou bien à partir de quel moment, qu'il a joué nos compte que c'est ça ou bon, et dit que me fait avec ça dans le c'est peut-être un. C'est peut-être un menti, mais je capable de dire de très tôt. Que écriture choisie, je ne dis pas que je choisis parce que le premier texte que je me titre La femme de mes rêves, et c'est un texte que je publié à l'école, moi, là, ça me fait 6e année. Ça fait 6e année et je me publié pour elle. Mais premièrement, c'est avec la lecture que je fait rencontre moi. C'est-à-dire, immédiatement, je m'applique sur toutes ces histoires que tu as dans le livre classique, dans le manuel scolaire et tout ça. Je suis très intéressé à produire tout ça. C'est-à-dire, je me dis, même si je lis une histoire, est-ce que je vais écrire une histoire là tout? Vous comprenez tout là? Donc, c'est ça. Mais c'est de très tôt que ça a commencé. Et je pense que je prends carrière, écrivain moins très tôt tout. Ok, parce que nous sommes qui était toujours qu'on a écrit en pile. Donc, je vais prendre mon cahier, moi à l'école, et puis je me réserve le cahier, ça, je me dis, oh, mon petit, affaire, papa, ou pas, je vais parler pour ça tout. Parce que plus pour le cahier, je me fais des bagages personnellement, que je me fais des bagages à l'école avec eux. Donc, moi, c'est de très tôt, moi, j'ai manifesté, j'ai eu l'amour, et pour ça qui vient à voir avec écrit, et puis avec le petit. Mais lancer sur les réseaux sociaux à partir de quel moment? Bon, je suis capable de dire que les gens qui connaissent plus les mines populaires, c'est à partir de l'année 2023. Ça. Okay. C'est à partir de mars 2023, quand j'ai publié un texte qui titre Réméon, et puis qui était franchement, texte a fait flamber. Les films publiés, il fait près de 100 000 vues, je crois plus qu'on y a. Donc, c'est à partir de là quand tout le monde commence à compter pour être silencieux, bien que j'ai commencé à publier depuis en 2021. Je viens de faire une petite pause en 2022 et puis je viens republier encore ou bien et continuer à produire du contenu en 2023 et jusqu'à présent, la frapper. Pour nous entrer dans Poète silencieux, introduis-nous s'il vous plaît avec texte Réméon. Et bon, ma bon le texte c'est En Réméon. Et En Réméon. En Réméon, même si t'es à glisser,
même si nous risquons d'échapper pour nous tomber. On marche sous point de pied, tout doucement, sans faire bruit. On sauve sous pour nous remettre en cachette. On remet, ça n'a pas besoin de connaître qui ça lié, ça le fait, ça le vaut. On remet, ça n'a pas besoin de régler rien pour nous. On remet sous ventre plutôt, pour qu'on joue une poitrine pour caresser et pour qu'on joue une tête pour poser tête moi. On remet, et si l'amour fait nous trop chaud, on remet tout uni. On remet pour la vie. Poète silencieux. on remet poète silencieux. Poète silencieux, dis-nous pour qui ça, choisons ça. Bon, et c'est un nom tête chargée. Ce n'est pas un nom que je choisis a priori. C'est plutôt un nom qui est au moins et puis qui tout était là. C'est à partir d'un série de petits poèmes que j'ai publié sur Instagram. Mm-hmm. Et je me suis poème silencieux. Et puis il y a un ami qui ouait texte et puis qui dit moi ça poète silencieux a frappé bel texte, il dit poète silencieux, et puis tout prend nom hein. À partir de là tout ça m'a écrit mettez nom en balle tout innocemment sans pas vraiment son choix me fait me réfléchir me dit bon peut-être mon nom ça son nom qui vient jamais que tout qui est B poète silencieux hein. Bien que peut-être que ça traduit quelque part une partie de la personnalité parce que c'est vrai poète la fois pile bruit dans question poésie. Même capable de dire dans la vie courante, nous sommes très observateurs, qui très silencieux tout. Nous devons aller voir un team là, nous sommes là, donc c'est peut-être ça, si ma PC fait lien. Hein. Mais c'est un nom qui vient de jeune moi avant tout, c'est pas un nom que je choisi. Et où accepter et non. Ouais. Et non, il fait grand écho. Poète silencieux, publié en pile. Poème, la donne toujours l'amour avec causé. Érotique. Est-ce que c'est des choses qui ont un rapport avec la réalité vraiment? C'est des choses qui sont en dedans, qui ont un rapport avec le monde que vous avez ou bien c'est juste fuir l'imagination? Bon, je suis capable de dire que 80% des textes que je publie, c'est des choses que je vis, c'est expérience personnelle moins. Et l'autre 10%, c'est l'imagination, bien ça m'a raconté, mais puis ça m'a oué en fait. Vous comprenez? Mais tout texte, c'est des textes qui sont très liés avec ça m'a connu comme situation sentimentale. Et donc, c'est ça, en gros. C'est-à-dire, tout texte, bon, plus fort, bien entendu, c'est un texte qui est inspiré de ça m'a vivre. Vous comprenez? Inspiré de ça m'a vivre, ça va dire tout ça, c'est un texte qui arrive personnellement. Mais inspiration, là dit thème m'a traité ya sujet qui la donne c'est bagaille qui très lié avec ça m'a vivre un moment, ça t'a passé, ça t'a traversé. Et là l'esprit ou voulez m'a connaître avec mais pour la coucher belle coup de plume ça. Qui élément qui compte souvent déclencher ça qui source inspiration. Et bon, capable dire c'est source inspiration c'est l'amour et puis rapport que m'ai développé avec fille, avec une autre en fait. Parce que puis faut texte moi dans façon m'aborder yo toujours pas des rissem avec le monde ça me blesse là donc c'est ça c'est dans deux ça me venir c'est un rapport que m'exercer avec fille et puis deuxièmement c'est dans l'amour façon me comprendre l'amour façon appréhender l'amour comment ça me blesse là c'est bon parce que c'est deux là yo que me puiser inspiration pour avec lui mais façon de venir peut-être avoir poser question ça c'est de manière spontanée quand était comme ça là et puis me dit bon bah qu'a passé mais commencer contexte ou bien une seule phrase bien et puis à partir de phrase ça il me fait texte même avec ou connaît bien bab carré d'ami c'est texte ça que bien c'est phrase ça que bien tout font texte avec même j'ai texte que me publié récemment qui c'est garder qui j'aime barre moi encore c'est seulement phrase là bien et puis me continuer mais pas oublier des innocents des bagages qui dit à 80%. Faut dire nous plus parce que quand même d'après elle dit bon moi qui connais plus de monde ça qui dans vous là mais quand même là dit me connait regardez qui j'aime barrer mon quoi moi vous comprenez ça passe. Bon texte ça bon, c'est que c'est pas un texte qui traduit à 100% on va que m'a vive mais c'est un phénomène que vous remarquez qui relie le désamour, c'est-à-dire au monde côté où tu as un profond sentiment pour lui, au monde côté où tu veux faire une relation avec lui, côté où tu veux
parfois on aventure avec Mounsa qui ou t'es désiré Mounsa très profondément toute pensée ou t'es allé vers Mounsa et pour regarder en certain moment à force que Mounsa n'a pas vraiment bon façon pas vraiment bon porte pour exprimer ou bien façon pour vivre sans les vivre là et puis au fur et à mesure commence à oublier Mounsa ou commence à passer à autre chose et pour venir venir au point que tu vas chercher dans mon dernier Mounsa ou pas well ça arrive déjà même et ça arrive même déjà donc quand même c'est vécu comme c'est des vrais qui passent dans la vie courante que tu as le pas de plaisir on dit ça mais est-ce que comme si tout texte ou écrit est-ce que c'est toujours bon quand même ça arrive déjà mais ça qui en vogue kounya yo n'a pas dit comme ça est-ce que yo aller vers un monde spécialement ou bien c'est des monde qui permettent bon il y a texte mais il y a texte qui que m'écris spécialement en passe avec un monde spécialement qui dédié avec un monde dans l'esprit en fait au moins même pas genre ouvertement pour mes contextes. Bon, il y a des textes que j'écris ouvertement, je me dis, ah, un tel, c'est pour me dédier texte parce que c'est vous-même qui fait m'écrire tel texte. Donc, je n'ai pas de problème à ça, je comprends. Mais bon, c'est grand pile texte que j'écris, c'est des textes qui sont très très personnels à moi-même. Et bon, c'est des textes qui sont plus profonds que j'ai gagné. C'est des textes qui sont liés avec ça, ma vie. C'est des textes qui découlent d'une situation personnelle. Est-ce que vous avez un texte ou pire mais dans la famille ça vous publiez? Ah! Ouais, il y a un texte que j'aime en pile, mais que j'aime arriver, qui est bien vrai, c'est toi. C'est toi, c'est un tout premier texte que j'ai publié sur page, mais c'est en français que j'ai écrit. Quand m'a parlé de monde, que j'avais croisé, comment j'avais lié, comment monde ça comprenait dans moi-même, j'avais. Donc c'est un texte comme ça. Et deuxième texte que j'aime, c'est Je sais que je vais tomber amoureux de toi. C'est un texte que j'aime en pile qui est très profond. Et monde ça, vous avez décrit, vous avez joué déjà? Mon ça va décrire bon bah quand peut-être que me jeune n'aime quitter là aller peut-être que beaucoup jeune ni en tout cas m'a chercher le toujours en silencieux n'a prend dernier pause nous n'a tourner tout de suite pour continuation émission pas la même chérie pas la même même si c'est pour dire comment raïm maintenant bon mon chéri pas quitter mourir moi la fin pas la même chérie, pas mesurer longueur jouement pour moi et si rivière bêtise ou toi petit pour t'anneyer. Ouvre bouche quand même chérie, même si c'est pour tuiper. Pas la même chérie, pas la même, pas bon les gains. OK, au moins gardez-moi manger. Gardez-moi couper-moi coudé, troisième. Mais pas fait comme si ou pas reconnaître moi, pas fait comme si ne pas de jambe te ma connaît. Pas fait comme si même pas de jambe te dans maison. Pas fait comme si m'pas jam tonton n'a pas le misou, m'pas jam lago n'a caché ou, m'pas jam cric n'a krakou, m'pas jam cache-cache dans l'ibéon. Pas fait comme si m'pas jam l'an droite dans l'an gauche ou. Pas la vème, chérie. Pas la vème. Maintenant, bol moi. Pas quitter mourir moi la fin. Nous retournons bien rapide ou même qui fait brancher ou sous Chanel du Savoir ou à suivre émission culturelle pour la SAC fête la Kaya. Côté sous plateau, nous gagnons avec nous poète silencieux qui vient mettre coulel dans coulel pour capable caresser l'esprit. Nous. Poète silencieux, nous t'en reconnaissons. Est-ce que ça arrive ou écrit un texte? Ou pas satisfait de lire ou bien ou elle manque ou bien ou gagne un texte ou écrit pour que j'aime pas fini. Ça arrive et ça arrive très souvent. Tu me toujours j'écris texte pas fini vraiment. Texte moi toujours coûte. Donc parce que mais comment mes amis me senti poussé à et puis m'écrire côté rivière arrivé. Même tout un sentiment de manque. Tout senti à texte moi comme t'a dit plus toujours. Vous comprenez? Donc m'quitter l'autre pour imaginer le reste là. M'quitter imagination l'autre monde bien fan de faire travail là. Mais ça arrive même souvent. Et moi même c'est vraiment grand pile texte que me publier, même capable dit c'est de rare là qui vraiment arrive sur moi comme si les m'a prétendre dit oud vraiment ça me traverse. Tout texte c'est bel texte, c'est texte qui très émouvant. Mais il y a une série ça vrai là obtendre comme si il faut vivre personnellement ou même qui écrit là. Et moi c'est un sentiment qui qu'on manifester là quand en pile monde qui a écrit, c'est le fait que pas jamais satisfait vrai à un point de ça produit là. Et c'est ça, je pense, qui fait plus d'efforts tout et pour travailler, pour capable produire plus, pour capable faire plus de textes chaque jour. Donc ça arrive ou pendant ou sous une cadence ou perdre inspiration? Et ouais, ça arrive à perdre intensité inspiration. C'est-à-dire dans la dimension que je suis là, je comprends que je suis passé, je suis perdu et je me dis, ah, je vais mettre fin à texte là.
Justement, nous avons une question comme ça. Nous comptons mm-hmm. parler de dimension. Mm-hmm. Parce que nous avons aimé connaître, est-ce que ça arrivait ou à écrit ou senti comme si ou arrivé dans un niveau apogée, comme si ou arrivé dans la limite, dans la bonne imagination? Ça une très belle question. Et parce que et immédiatement, moi personnellement, j'ai commencé à écrire comme si il y a un changement qui fait là. C'est comme si je me téléportais tête moins dans l'autre dimension, ok, dans le même côté. Parce que les m'avais écrit parfois les m'avais écrit, je ne connais pas même quel côté mot sorti. Je ne connais pas même pour qui ça c'est telle phrase, mais si c'est dans tel moment, pour ça c'est tel mot qui vient à tel moment. Ça dit une série de questions, les finis qui m'a posé tête moins. Pourtant, les m'étais dans la situation même, les m'étais dans le moment instanté à côté m'avais écrit, franchement, battre en compte de ça. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est toujours comme ça, c'est toujours un changement qui fait. C'est capable de dire c'est sauter dans une dimension, rentrer dans l'autre. Et puis qu'on finit de crier plus d'éducatoire. C'est comme si on a tout un moment de plaisir, ok? Et puis on moment fini d'atteindre l'orgasme et pour retourner sur terre ou comment t'as réfléchi, donc c'est ça. Donc on sent arriver dans la limite d'imagination déjà. Non, bon, bah, c'est personne pour arriver dans la limite d'imagination. Est-ce qu'on connaît le cognac? Moi-même. Ça dit où on va arriver? Non, pour ça que je c'est parce que l'imagination c'est pas infini. Imagination ton bagage qui infini. Tout cas imaginer en infinité de bagage et pour qu'on paquet infinité de bagage qu'on pas jamais qu'à imaginer. Et au cas presque arriver là dedans. Et même nous-mêmes dans vie nous toujours dit qu'être pas jamais imaginer bagage pareil. C'est parce que imagination n'y pas qu'il limite. C'est-à-dire mon série de bagage pas jamais mauvais côté au pourtant exister. C'est-à-dire imagination de cadeau tout en vivre la village. Tout en vivre ou une série de éléments capable permettre tout imaginer plus de plus loin. Si pour être silencieux, tu as pas décrit poésie créole, mm-hmm. qui sont t'as dit? Poésie créole, l'a dit poésie créole, c'est la vie. Les poésies faites en créole, ils ont plus magie, ils ont plus sens, ils ont plus sens, ils ont plus saveur là-dedans. Les poésies faites en créole. Et moi, c'est poésie créole, poésie ou bien en général, les bons en famille. Poésie tout les bam bum les bam objectif on a vu ça les faire réaliser tête parce que go baquet ba avec main go baquet ba avec tenter déjà même senti dans poésie me vient place moi me vient but existence moi ça dit poésie créole me capable dire c'est une plus grande richesse que capable gagner nous même en Haïti poésie elle fait en créole et la créole loi la créole là son belle langue l'encore là elle pas dans ses crasses. Et l'encore là parce que c'est l'encore qui est plus sincère que n'est qu'à gagner. Après, l'on va jouer au monde, ou les bagages à piquer, ou soit pas les français avec, ou virer la créole. Oui, l'on a parlé avec un monde, ou un bagage ou envie de dire, qui peut toucher vraiment, ou soit la fois, soit virer la créole. Comment on le dire? Parce que c'est son langue qui soutient nanana. C'est là, son langue capable de dire, c'est la donne, code l'ombre d'existence, c'est la donne de planter, tout ça. Donc, bah, c'est une belle langue. C'est une belle langue créole. Moi, mes français ont appelé lui, mais créole là, quand j'en sonnais, quand j'en lis en ballon, c'est wow. Qui vit belle expérience poète silencieux dans la poésie? Dans la poésie, bon, qu'il y a qui ça? Est-ce que qu'il y a avec un événement quelconque ou bien? Bien sûr. Ok, qui vit belle expérience que je vis dans la poésie? Parce que récemment, je te connais, c'est que je suis capable ici. Poésie qui m'aime capable ici. Dans le cas ici, pour participer dans Slam Amour, j'ai vraiment aimé bien Slam, j'ai vraiment aimé ville là. Donc, je pense que c'est poésie. C'est poésie qui m'était là. Jusqu'à présent là, pour l'année là, il y en a plus belle expérience que je vive vraiment avec poésie. C'est participer dans l'événement qui a été fait au cas ici. Et ça a été bon occasion pour me visiter ville là, pour me croiser des gens extraordinaires. Donc, j'ai beaucoup adoré. Et puis mauvaise expérience ou bon, quand même on va pas. Bon, pas quoi, il y a plus mauvaise expérience dans la poésie. Peut-être que la poésie a divine fait que divine fait, divine mettait ma nu. Divine mettait ma nu dans le sens que la vie dans la rue, ça dit bon, on monde pas connaît vraiment, on monde pas vraiment connaît ça, ça est pas être là, ça est pas être comme si tout un doute, mais on connaît que poésie met la vie dans la rue. Il met cause dehors. Il met cause dehors. OK. Mais est-ce que dans la poésie ça bon tant qu'on te dit est-ce que vous pas considérer ça est-ce que comme si ça pas qu'on affecte le comme si imagination intensité imagination baisser alors que vous te vle gagne un bagage qui vraiment ouais fier ça arrive souvent parce que parfois quand on commence le contexte
j'ai une façon de finir là, une façon de commencer là. Parce que ce qui est intéressant dans le texte, parfois, c'est chute là, c'est façon de finir là. C'est dernier verset qui peut frapper les gens, qui peut arrêter vraiment. Ou qui est venu jeûner, il y a un dégage, il y a quelques petits bagages pour mener les gens, quand on voulait le rire. Comprenez? Et parfois, on est venu dans une dimension qui n'est pas jeûner vraiment. C'est parce que écrire dans un effort intellectuel pour faire. Écrire dans un effort. C'est vrai que tu as écrit là, tu sens ton poussé intérieur, tu sens ton feu intérieur ou écrit, mais écrit malheureux effort. Le choix des mots, vous comprenez? Façon pour capable juger avec sensibilité à travers mots, ça m'a donné un petit effort. C'est-à-dire, poésie, si c'est vrai, tout le monde a fait poésie, mais tout le monde n'a pas poète. Parce que poète là, puisque c'est ça le fait lui-même, c'est ça l'exercer comme mode de vie, vous comprenez là, parce que poésie a demandé un effort. Et qui nouveau projet ou bien qui projet ou gagne? Bon, et actuellement là, le projet est en pile et pas seulement lié à moi-même. Je suis pour moi à Les Jacmel pour participer à une activité qui a fait le 23 décembre. Et moi, j'ai une activité que m'a organisée, tout qui c'est dédicace, c'est la deuxième édition que je profite d'inviter tout le monde. Et dédicace qui s'allie, c'est une activité qui est liée avec slam, avec poésie. Écoutez, tout le monde qui vient participer, a une chance pour capable partager dédicace avec les gens qui accompagnent, ou bien les gens qui ont croisé dans l'espace là. Vous comprenez? Et nous avons l'autre petit projet tout, tant que des soirées acoustiques pour nous mettre sous pied parce qu'on est activistes que nous y est. Et des ateliers tout, nous avons regardé comment on est capable de rendre une fin d'année à une fin d'année poétique. Et quand est-ce que vous voulez arriver même? Quel objectif final? Et je ne sais pas comment j'ai bout jusqu'à présent. Parce que si vous voulez arriver à un côté, c'est dit d'être immédiatement arrivé là, au Cameroun. Immédiatement, oui, c'est dit d'être immédiatement arrivé là, donc c'est la fin, non. Parce que moi, là, et poétique, là, c'est un monde qui est vraiment vaste, et de jour en jour, on a besoin de nouvelles opportunités que nous avons besoin, et de jour en jour, on a besoin de nouvelles idées, on a besoin de nouveaux objectifs, on a besoin de nouveaux horizons que nous avons aimé connaître, que nous avons aimé explorer. Comprendre, même parce que nous avons arrivé dans un point côté pour moi, en chaque haïtien, au monde que pour échanger la ville. Et je pense que ça a commencé déjà côté, il y a des commentaires qui disent ah bon, vous faites quoi, nan, bah, ça encore, mais nous faisons tout, nous avons écrit, vous comprenez? Donc, nous avons influencé la ville. Donc, je pense que c'est ça, son bon travail lié. Et je pense que si nous souhaitons bagarre, c'est ça. Nous avons souhaité pour changer la vie, moun, pour changer le pays à travers la poésie que peut-être au monde qui a regardé qui est banal, mais nous avons pile force, nous avons pile pouvoir. Donc, en utiliser moi. Oui. Et bon, nous sommes capables de dire avec la nouvelle génération ça que nous avons, hein? Poésie vraiment, nous sommes capables de dire, c'est comme si l'arrivée dans un bout, côté que la nouvelle génération qui vient, on pas souvent jeune monde qui pratique mode bagaille ça encore. Donc, nous pouvons comprendre si on me dit ça, étant donné que vous êtes très jeune, qui l'a joué? Moi-même, j'ai 22 ans. Très, très jeune, il est rare pour les jeunes monde dans la génération. Dit qualité parole ça qui pas ouais réalité a qui pas décrit l'autre gens. Bon, nous connaît comment ça y est, nous connaît comment y ouel, comment penser ou accès son seul bagage ou même ou faire l'autre gens ou décrit l'autre gens. Poésie en Haïti, comment on vit ouais ça? Et moi c'est que et c'est plus grand témoignage là de comment m'ta aimé ouais poésie en Haïti. M'ta aimé ouel Powell, c'est comme un élitiste, c'est-à-dire qui réservé à un groupe de monde, peut-être qu'il devait dans ça, qui compte ça, ou bien qui gagne en passé dans ça, mais c'est vrai que poésie a li accessible à tout le monde. Si machin non, bourretier, chauffeur, pour le well lui-même dans poésie, pour le sentir que ça, c'est kaili, pour le sentir à l'aise là-dedans, l'a fait, l'a attendu. Donc c'est ça. Et m'vle poésie à tout, servi comme un outil. Pour sensibiliser les gens. Sensibiliser les gens, je vais servir tout comme un moyen tout pour faire les gens sentir bien, pour apaiser les gens comme une sorte de thérapie. Vous comprenez? Et parce que le travail a commencé et nous avons pile jeunes qui battent ça tout comme mission pour permettre que la poésie a changé la vie moun en Haïti. Je vais vous poser une question qui est à peu près comme ça, mais quand même, moi, pour redire pour nous, parce que c'est important pour dire pour nous avec mon power comment vous avez voulu nous utiliser. Qui effet mot t'as supposé gagner dans la vie? Et bon, qui est vraiment intéressant. Quand il y a quelqu'un qui dit ah, Wood, ou tellement une femme jeune, genre avec mot ça va utiliser ou là. Ça veut dire même dans le rapport avec exercer avec moun, mot est important. Le choix des mots est important. Parce que si on parle avec un monde, si vous touchez un monde, c'est sensibilité, c'est là pour aller. C'est dans la compréhension pour aller. Vous comprenez tout là? Donc c'est ça, t'as dit mot n'a pas utilisé pour capable atteindre un objectif. C'est-à-dire, ou besoin de tel bagage, ou besoin d'atteindre, donc, ou utiliser mot
ou faire mon nan vivre sans sentir sans vouloir pour capable jeune ni comment t'as besoin là. Donc c'est que dans tout domaine dans la vie ou capable utiliser poésie dans question politique là tout regardez nous un paquet de poètes qui engagé cap travail cap zimo chaque jour pour sensibiliser politiciens pour sensibiliser nous sur ces problèmes que pays a connaît même dans question l'amour en plus mon a utilisé poésie comment t'as besoin là. Donc c'est ça. Donc utiliser mot comprendre capacité comprendre pouvoir moyo c'est là ya justement c'est ça parce que en pile monde qui comprend ça moyo gen en pile pouvoir ou pour une face ou même là gen deux monde qui vient sous pourtant gen un monde plus apprécié plus admiré pour qui ça par rapport avec gens parler par rapport à mot l'utiliser on a mesure là. Donc c'est ça c'est justement ça moyo gen en pile force moyo gen en pile pouvoir et un poète un slameur un diseur qui qualité ou penser on ça supposé gagner. Et bon, pense que moun sa yo kap itilize la parole, kap itilize mou yo et on fait poésie en façon pour l'accessible à tout moun. C'est-à-dire pour si ou di un bagay pour gon moun ki comprenn ni. Pour moun nan pa oblige à chercher un dictionnaire. C'est-à-dire pas gen prétention pour fon bagay que moun pa comprenn pour avoir tête pour dire comme ça ah texte ça il gen fond pour qui est kap comprenn ni pour qui est sous dit texte là. Ou moun pour qui est sous écrit tel texte pour atteindre qui objectif. Et celui-là, c'est l'objectif que tu écris là. C'est ça qui est important. Donc, moi, c'est un caractère constamment gagné. C'est à ça. C'est à garder qui façon pour capable, pendant mon bel là, pendant mon frère, pour chercher à atteindre mon tout. Pour mon comprendre, pour mon vivre, son écrit à action à dire. Il y a un conseil pour jeunes gens qui gardent pour être silencieux. Monsieur, mettez pas en langue, monsieur. Mettez pas en langue, monsieur. Je vous conseille parce que je suis dans pile de monde qui dit ah, monsieur, pour nous, c'est l'argent qui est important. L'argent est important, tout. Il faut que chercher l'argent. Mais vous ne pouvez pas faire l'argent pas café. Parlez-y. Quand vous parlez, l'argent, bon, l'argent qui a fait quelque part, mais l'argent va pas remplacer. Vous avez besoin de là. Donc, vous ne pouvez pas faire l'argent qui a fait, mais vous ne pouvez pas faire c'est parole. Pour apaiser un monde, vous comprenez? Pour capable pour vivre atteindre un monde vivre avec sensibilité monde c'est avec l'argent. L'argent qui a toujours gain yeux, qui a toujours gain une série de biens matériels, qui a toujours gain corps, mais non monde là c'est pas l'argent. C'est parole là, c'est pas son comportement avec là, c'est attitude ou affiché envers monde ça. Conseil ça arrive là pour mesdames ou bien conseil. Il va là pour mesdames, tout mesdames fan galant. Oh, moi mes belles petites paroles. Mais des monde n'a pas très facile. Ou facile. Très facile, vous n'avez pas de paroles, de belles paroles, même facile. La fait comme si nous n'avons pas de paroles, parce que nous connaissons. La fait en pile paroles, en pile, la fait comme si nous pas de ou pas de dire ça. Ok. Est-ce que vous avez un dernier mot, un conseil, un message? Et moi, c'est que dans pile intervention que je fais toujours finir comme ça, pour me sensibiliser sur la question de livre, parce que c'est promoter l'écti tout. Et parce que livre change la vie, livre fait un paquet de belles expériences dans la vie. Et moi, c'est que si on a conseillé toujours, bat pour au moins ou lire 3-4 pages par jour. Toujours bah l'écti en place dans la vie. Parce que là, lire un paquet d'avantages que le poté pour. Non seulement, il peut être capable de jouer un mot. Qui est capable de jouer un mot, il peut être capable de capacité critique qui développer. Si on est capable de réfléchir, ça m'a dit, comment tu as besoin là? Donc c'est ça, libère de capacité analyse qui pousse tout, lui permet de mémoire qui plus ou moins en forme. Donc, lui en soi, je suis capable de dire c'est une activité qui beaucoup sans une maladie. Vous comprenez? Donc ça, même toujours lui. Capable de parler comme ça devant la caméra, c'est à travers la lecture que je fais. Vous comprenez? Gagner une bonne expression orale ou bien écrite, c'est à travers la lecture qu'on a fait. Donc, moi, m'encourage les jeunes gens, jeunes filles, prendre un livre, C'est vrai, nous n'avons pas qu'être l'autre accessoire, nous n'avons pas qu'être l'autre alternative, je ne veux dire, à que technologie en bas nous, mais livre là, pas perdu. Qu'est-ce que livre nous haut, qu'est-ce que livre nous fort. Parce que livre, en bas, voilà. À l'aise. Parce que livre, il y a un avenir là-dedans. Moi-même, personnellement, avenir basé sur livre. Merci pour être silencieux et c'était un paquet, un coquin de chaîne, plaisir pour nous te gagner sur le plateau ça fait la caille. Ah, c'était un plaisir pour moi tout. Merci Nélita, un très belle sourire comme tout ça. Merci. C'était un plaisir pour me t'aider, pour me participer avec nous et dans ça. Ça fait la caille et moi c'est pas la dernière fois. OK, et moi c'est que Fanyo bien super branché, on était très satisfait de moment que ça passé à. Donc restez branché pour être silencieux toujours là, toujours à publier et nous avons des activités qui viennent que nous invitons déjà. Merci. Merci.
Amis téléspectateurs, nous déjà arrivé dans le moment pour nous mettre fin avec une belle émission culturelle ça que vous avez une chance de suivre, une émission qui est toujours arrivée possible grâce à tout staff. Chanel du Savoir avec Chouchou Nerika Alexis et pour numéro ça, je dis à Oud Jean-Jude que nous connaissons nos poètes silencieux qui t'est venu porter couleur, qui t'est venu caresser les oreilles nous, caresser tant de nous avec belle voix ça que lui-même l'y gagne. Bye bye tout le monde, rendez-vous cassé pour bientôt pour une plus belle chose toujours.